Il faut le lire, du luxe et de l'empuissance, un des plus beaux titres de toujours. C'est incroyable, parce que ça parle du théâtre. Je le prends comme quelque chose que je veux transmettre parce que je pense que c'est une collection de textes qui nous parle d'une façon très personnelle, mais en même temps très libre, de la place du théâtre dans nos vies. C'est un livre qui va vous toucher et surtout va vous donner du courage. Et je pense qu'on a besoin du courage. Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'invention de ceux qui n'existent pas encore. Moi, je crois à une société où le théâtre est au centre, plus au centre que les banques. Voilà, je le crois, je dois le dire, et je suis OK avec l'idée que c'est peut-être ridicule, naïf, utopique pour quelques, mais voilà, s'avancer dans la lumière et redire aux autres, une fois encore, la grâce suspendue de la rencontre. Il parle d'une façon très radicale, pleine de désir, pleine de voilà, hors le langage organisé, modéré, politiquement correct qui prolifère dans nos jours quand on parle de l'art. Cette liberté de parler autrement, d'inventer notre façon de parler, et en inventant une façon de parler, inventer ou proposer un autre monde, une autre forme d'être dans le monde. Et je pense que Lagarce, il le fait, et il nous demande de le faire. Ces textes de Lagarce m'ont dit que quand j'ai commencé à écrire les éditos pour les programmes du Théâtre National Dona Maria à Lisbonne, j'avais la sensation, parce que j'écris mes pièces, que je jouais le rôle du directeur responsable, sage, qui écrit en texte, qui communique à son public. Et j'ai lu mes premières tentatives et j'étais vraiment « Ah, oh, mais je ne veux pas devenir cette personne !» Et ça m'a aidé à ne pas nourrir un programme de discours vide, d'une rhétorique prévisible, et d'utiliser les éditos du programme du Théâtre National comme un espace d'expérimentation littéraire, politique, poétique, et c'est ce que j'essaie de faire.